Alors, du Châtelet, comment vous y êtes-vous pris? Ça gronde à Sclessin. Les supporters sont furieux, certains du conseil d'administration sont furieux. On dit que votre gestion est calamiteuse. Oufti, quelle affaire! Qu'est-ce que vous avez fait? Provoquer. Je crois que c'est quand même un peu plus. Il faut relativiser un petit peu. Je crois que certains ne sont pas satisfaits, mais c'est toujours le cas comme ça dans le foot. Hein, donc il y a toujours des gens. C'est fort quand même, non? Bon, ça va encore. Je crois que ça se calme maintenant. Vous avez même dû vous protéger. Enfin, ça a l'air tout calme là ce dimanche. Je crois que si on n'est pas calme par nature, on ne peut pas faire ce job-là. On était cinquième. Mais pourquoi mieux avec ce Luzon plutôt qu'avec le Rednik? Eh bien, parce que je suis convaincu que le nouvel entraîneur est meilleur encore que l'entraîneur précédent. Parce que les coachs, ça change. À Saint-Trond, 14 coachs en 7 ans. Vous les usez presque tous les 6 mois. Pourquoi vous changez comme ça tout le temps de coach? C'est un peu le système japonais, si vous voulez. Hein. Japonais, c'est-à-dire? Essayer de toujours faire mieux et faire des changements pour améliorer. Il faut toujours essayer de faire mieux. Et donc, évidemment, ça demande du temps. Et donc, ici, c'est une manipulation similaire. Donc, on essaye de faire mieux. Oui. Par exemple, du temps de M. Jean-Louis Dreyfus, juste après, Jean-Louis Dreyfus a mis de l'argent dans le club et ils ont retiré de l'argent aussi, donc c'est normal. Oui, il y a quand même une évolution importante. Avant, le standard au niveau de l'Europe, c'était un grand club. Maintenant, on est devenu un petit club au niveau de l'Europe. Et c'est vrai que mon ambition, c'est d'essayer de faire des choses pour remettre le standard à un niveau plus élevé au niveau européen. Envie de développer la ville de Liège et là ils peuvent compter sur mon soutien absolu. Vous avez déjà une idée que... Je crois qu'il y a des atouts importants dans la mesure où il y a un réseau ferroviaire très important dans la ville de Liège. Nous avons on a vu tout à l'heure aux nouvelles qu'il y avait des problèmes avec l'aéroport de Bruxelles. Vous dites venez à Bierzé. Vous pourriez investir? S'il le fallait, oui. Hein. Je pourrais investir aussi. Donc, mais, Les 20 millions de dividendes. Par exemple. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Franchement, l'homme d'affaires que vous êtes, connaît-il vraiment les arcanes du foot, les stratégies? Êtes-vous vraiment un spécialiste du foot? Ou bien est-ce une forme de danseuse? Non, je ne suis pas spécialiste du foot. Je crois que j'ai beaucoup appris. Évidemment, en tant que manager, je fais toujours appel à des gens qui sont qui connaissent mieux la matière que moi. Donc ici, pour le foot, c'est pareil. Je m'entoure de personnes qui peuvent me guider. Mais vous n'y connaissez pas grand-chose, vous-même. Ça va un peu mieux. Et vous conseillez parfois le coach dans ses stratégies ou pas? En fait, ce que je fais, je pose des questions difficiles. Un exemple. Allez, un exemple de question difficile. Donc vous avez 8 joueurs, ils vous donnent, ils se passent mutuellement. Donc ça fait 7 passes. Chaque passe est bonne avec une probabilité de 80%. Et quelle est la probabilité que la passe finalement va arriver en fonction du nombre de joueurs? C'est presque des maths. C'est des maths, oui. Et c'est des questions que vous posez au coach? Bien sûr. C'est pour ça, à mon avis, que vous devez changer tous les 6 mois, ils sont épuisés. Voilà. Très bien. Alors, oui ou non, pouvez-vous, Roland Duchâtelet, jurer, ce dimanche, que si le Standard n'est pas dans le top 3... J'essaierai de trouver un successeur. Oui. Mais vous jurez, vraiment? Je n'ai pas de souci. Il faut quand même se dire que une fraction importante des supporters, le Standard, c'est excessivement, et je pèse mes mots, excessivement important. Okay. Dès lors, je peux comprendre, c'est plus qu'un souci, leur crainte d'avoir là un idiot qui reste là, qui bloque en fait l'avenir de leur club chéri, eh bien moi je ne serai pas celui-là. Et ça je le promets. Très bien. Faites comme si j'étais. Vous avez le choix entre deux personnalités, Louis Small ou Mirka Rednik. Choisissez.
l'un ou l'autre. Merci à Rednik. Alors, je ne sais pas s'il vous voit ou vous tutoie. On se tutoie, oui. Alors, Roland, quand j'ai repris ton club, il n'était quand même pas très brillant. Toi, tu veux t'occuper de tout, mais fais gaffe. Fais gaffe aux supporters. Il faut les respecter, Roland. Qu'est-ce que tu me réponds à ça? Ah, ben, j'essaie, donc j'ai eu plus de... Rednik, hein. J'ai eu plus de contacts avec des supporters que M. D'Onofrio, donc j'avais des réunions à chaque fois qu'il me le demandait. On a eu quand même pas mal de bonnes réunions, mais c'est vrai que ce qui a choqué un peu, c'est le remplacement de Rednik juste après cette fameuse victoire de 7-0. Si on avait perdu ce match, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de soucis du tout. En fait, c'est une assemblée générale demain, il n'y a pas de conseil d'administration, mais bon, il sera là aussi. Vous allez lui dire quoi? Je vais le remercier pour le travail qu'il a fait. Vous allez essayer de le retenir ou pas? Il a été... il a dit à plusieurs reprises qu'il allait partir. Oui, il a dit que vous aviez dépouillé le Standard. Oui, ben voilà. Alors, rapidement, des cotes sur 10. Roland du Châtelet, une cote sur 10 pour lui. Une autocotation. 5. Oula, pas énorme. Non, mais il faut toujours un peu rester modeste dans la vie. Alors attention, aux supporters du Standard, je leur dis que... On réussira.